jouer d'un instrument? Alors oui, j'ai commencé d'abord par le piano. Mon tout premier, ça a été le piano. Et puis, au fur et à mesure que j'ai fait mes études, on m'a conseillé d'apprendre d'autres instruments. J'ai appris la clarinette, j'ai appris le violoncelle. L'Académie de musique de Schaerbeek a la particularité de pouvoir déjà donner un accès aux plus jeunes enfants dès l'âge de 5 ans. En effet, nous avons un cours d'éveil musical qui est réparti dans plusieurs implantations de la commune, permettant de toucher un public le plus large possible. Ce cours est basé par l'apprentissage par le jeu, par une série d'activités ludiques qui fait participer les enfants de manière sensorielle. Ces cours d'initiation se prolongent par après avec le cours de formation musicale qui s'étale sur 5 ans pour les enfants et 4 ans pour les adultes. Et en parallèle, bien entendu, les enfants peuvent commencer, comme les adultes, le cours de formation instrumentale. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'instruments différents à l'Académie de Schaerbeek. Des plus connus comme le piano, le violon, la guitare, mais aussi bien entendu la flûte, le hautbois, la harpe, le violoncelle et même l'orgue. J'ai choisi la flûte traversière parce que en cours préparatoire de solfège, on nous avait dit que l'année suivante, on pourrait commencer un instrument. Donc ils ont passé des instruments qu'on a écoutés. Et avec une amie, on a entendu la flûte traversière et on trouvait ça vraiment super joli. Au cours, on commence par une gamme pour s'échauffer. Et en général, on a des études aussi pour améliorer notre technique et notre tonalité. Et puis, on a souvent un morceau un peu plus officiel qu'on travaille vraiment bien parce que les études, on les fait moins longtemps que nos morceaux. Moi, j'ai choisi de faire du violon parce que mon grand frère faisait déjà du piano. Et donc, j'avais pas envie d'être le seul qui faisait pas un instrument parce que mon frère Paul faisait de la guitare. Et j'ai choisi de faire du violon aussi parce que c'est un instrument que je trouve pratique parce qu'il est petit et j'aime bien la sonorité. La première fois que j'avais joué au violon devant ma petite chienne Lola, elle s'était mise à pleurer parce qu'à mon avis c'était faux. Et maintenant que ça commence à être un peu plus juste, elle pleure pas, mais quand je fais des fausses notes, elle se met quand même à pleurer. J'ai commencé à apprendre le piano, qui est un instrument que je découvre chaque jour et je me découvre en même temps aussi avec. Madame Steger, c'est ma professeure, c'est une professeure qui m'a toujours fort aidée. Petit à petit, quand j'ai commencé à atteindre un certain niveau et à commencer à devenir autonome, elle m'a un petit peu plus lâchée niveau théorie et technique. Et donc, elle m'a un petit peu plus laissée
jouer ma musique, m'exprimer moi-même, ce qui a fait que ben, petit à petit, on a trouvé des points en commun entre elle et moi humainement, et donc c'était plus dans le cadre musical, ce qui fait qu'on a vraiment une relation qui est plus que académique et plus que cette théorie, cet aspect-là. J'ai choisi la harpe parce que quand j'avais 5 ans, j'ai entendu quelqu'un en jouer et ça m'a inspirée. Et donc j'ai commencé la harpe il y a 6 ans et j'adore le son. Quand je joue, je me sens submergée par une vague et j'adore cette sensation et les différences dans les nuances. Ces cours d'instruments peuvent durer une dizaine d'années pour les enfants, pour les adultes à peu près la même chose. Et la grande particularité aussi de notre académie, c'est que nous avons la chance d'avoir plusieurs ensembles instrumentaux. En effet, nos élèves continuent après leur formation à revenir à l'académie et à jouer ensemble. La musique est évidemment centrale dans toute éducation. Et à Skaarbeek, nous avons la chance d'avoir une très belle et très ancienne académie de musique. J'ai toujours voulu la soutenir pour organiser des concerts, pour y assister, pour soutenir les élèves, soutenir les enseignants, et aussi faire qu'elle ait des locaux convenables, acoustiquement convenables pour toutes les répétitions. Et puis ce que nous avons voulu faire aussi, c'est investir dans des instruments de musique de qualité. Et la plus belle des preuves d'amour que nous avons données à cette académie, c'est évidemment notre nouveau piano, qui est l'instrument central, l'instrument qui peut accompagner ou remplacer tous les autres. Et j'espère que cela donnera beaucoup de bonheur à nos élèves, à nos professeurs et à tous les mélomanes. Inscription à partir de la deuxième quinzaine de juin et tout particulièrement lors de notre journée porte ouverte l'avant-dernier mercredi de juin. Les inscriptions se poursuivent en septembre. On peut s'inscrire à partir de 5 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge maximum. Le Minerval reste très accessible tant pour les enfants que pour les adultes.